On est avec Yarmouni Skalen qui présente Belle Victoire, qui affiche une belle régularité depuis le début de l'année, aussi bien à droite qu'à gauche. Comment la trouvez-vous, Yarmou? Elle court un peu plus d'une semaine d'intervalle. Ouais, elle est toujours bien. Elle fait toujours. Elle sent mieux. Par contre, plus la ligne droite est longue, mieux elle est. Donc à Vincennes, elle est peut-être pas assez longue pour elle. Bon, en plus, sur la grande piste, elle n'a pas été forcément à son avantage depuis le début de sa carrière. Ouais. Ça fait un moment qu'elle n'a pas couru. Elle a essayé l'hiver dernier, mais celle d'avant. Et ça s'est pas bien passé. Hein, donc après, en province, elle a toujours bien couru. Elle n'est pas spécialement avantagée par le profil de Vincennes. Bon, elle enchaîne trois courses en un peu moins d'un mois. Est-ce que ça peut la déranger? Non, je crois pas. Je la sens toujours bien, donc je pense pas que ça la dérange. En tête, quelles sont vos ambitions, Yarmou? J'ai pas de grandes ambitions. Enfin, elle est toujours bien, management, elle est dure, mais elle perd du terrain en partant. Elle va se trouver avec les chevaux de 25 mètres. Après, il va falloir venir un moment. Et comme je disais, la ligne droite risque d'être un peu trop courte. Elle perd de temps dans le tournant. Il faut toujours être un peu vigilant avec elle. Et puis après, elle se relance. Mais je pense que ça risque d'être dur quand même cette fois-ci. Donc plutôt une 4-5e place, ça pourrait coller, mais pas beaucoup mieux. Oui, c'est pas la qualité qui manque, mais...